Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là il fait quand même assez froid. Aujourd'hui je me retrouve à Québec. Je sais pas si vous connaissez ce slogan, plus fort que le fret. Et cette tête là, là-haut, je suis au carnaval de Québec. Voilà, ça dure, là c'est le deuxième week-end, ça dure du 7 au 16 février. Là on est le 15, là il y a la première zone qui est derrière moi. Franchement il fait super beau mais il fait quand même assez froid. Il fait moins 15 aujourd'hui. Donc voilà, je vais tout simplement faire une vidéo du carnaval plus le défilé de ce soir. Voilà, j'avais envie de vous faire découvrir ce grand événement qui quand même existe depuis maintenant de longues années. La première édition était en 1955 si je ne me trompe pas. C'est le plus grand carnaval au monde d'hiver. C'est quand même incroyable de pouvoir être ici avec tout le monde qui est là. Franchement, on est le week-end donc forcément il y a plus de monde qu'en semaine, mais ça va être vraiment une bonne journée je pense. Je vais essayer de vous montrer le maximum d'activités du carnaval et puis le fameux défilé ce soir à 19h. Et puis demain dimanche, je pense que je passerai une petite journée tranquille, peut-être ici à compléter mon vlog d'aujourd'hui et peut-être aller vers le château Frontenac, etc. pour faire la glissade devant le château et essayer de faire quelques activités à droite et à gauche, voilà. Bah c'est parti, j'avais hâte de vous faire cette vidéo, ça fait quand même un mois que je voulais venir ici. J'avais déjà pensé avant mais il y a eu la tempête la semaine dernière, c'était prévu pour la semaine dernière mais au final ça s'est annulé. Et je suis quand même venu ce week-end donc je suis bien content. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça et puis c'est parti, on va découvrir cette première zone avant d'aller à une autre zone qui est un peu plus haut là-bas sur la Grande Allée. Et puis voilà, je vais vous montrer toutes les structures, toutes les activités, tout ce qu'ils ont mis en place pour ce fameux carnaval. Franchement, si vous avez la chance de pouvoir venir ici cette année, si vous êtes venu, parfait. Si vous êtes bientôt au Canada, n'hésitez pas à venir l'année prochaine, c'est vraiment quelque chose à faire absolument. Voilà, allez c'est parti, je vais à la billetterie qui est juste là-bas derrière moi pour prendre une effigie du bonhomme que vous voyez ici. Et puis c'est parti, allez let's go, j'espère que ça va vous plaire.
lendemain. Vous voyez que je suis à la même place qu'hier devant la zone. Je vais essayer d'aller faire la glissade qui est juste derrière. Il y a quand même pas mal de monde encore aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez, il neige un petit peu. Je suis devant le Parlement et tout, il y a plein de neige. Bref, là aujourd'hui il fait bon, ça va, il fait pas très très froid contrairement à hier. Donc on va essayer de faire la glissade. Ensuite je vais essayer de remonter vers l'autre zone. Là où il y a le lancer de hache, les trucs de hockey, etc. Essayer de participer un petit peu à tout ça. Au moins le lancer de hache si je peux. Et puis après, la terrasse du Frine, pour la glissade, j'y suis passé. Il y avait quand même pas mal de monde. Donc je vais voir si j'ai le temps de la faire. Si j'ai pas le temps, bon bah, tant pis, je la ferai une prochaine fois. Et puis sinon, bah, tant pis, on aura le temps de se rattraper le prochain hiver. Enfin voilà, je vais voir. Mais en tout cas, allez, c'est parti. Je vais essayer de me glisser dans les fils là, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Et puis, on va voir ce que je peux faire. À tout à l'heure. Et voilà tout le monde, je suis à la gare d'autocar, je suis prêt à partir, j'ai juste à aller là avec la file d'attente derrière. Et voilà, j'ai passé la fin d'après-midi avec Fabien et Cécilia de la chaîne French Canadian Travel, si vous ne connaissez pas. C'était très sympa, on a joué à des jeux de société, on s'est commandé à manger, on m'a même accompagné à la gare d'autocar, donc c'était parfait. Voilà, j'espère que ces images du carnaval de Québec vous ont plu. J'ai essayé vraiment de vous montrer le maximum de choses, il y avait quand même beaucoup de monde. Donc voilà, j'en ai quand même profité, c'était vraiment très très sympa, je vous conseille de venir. Il faisait quand même très froid, mais bon, c'était quand même un événement particulier, j'avais vraiment envie d'y aller, j'y pensais depuis déjà très très longtemps comme je vous l'ai dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fera vraiment très très plaisir. Et abonnez-vous aussi, ça c'est très très important. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.